9 mois plus tard, au camping Beaugrand. La mère a passé ses 9 mois. Parce qu'elle était enceinte. Attention, voici que ça commence. Les enfants, votre mère a des contractions. On va aller à l'hôpital. Je compte sur vous pour garder Léa et Thomas pendant que nous ne sommes pas là. Si vous voyez des gens et qui demandent où nous sommes, dites qu'on est à la maternité. Souhaitez bonne chance à votre mère. Elle a le souffle coupé de savoir qu'elle est enceinte, qu'elle va bientôt accoucher. Bon, allez, nous y allons. Plus tard, à l'hôpital. Madame, pas bien se passe. Vous avez vos premières contractions. Vous en avez déjà eu? Oh oui, j'en ai déjà eu un seul. Les autres, ce n'est pas moi qui les ai faits. Ils sont de ma famille. C'est mes demi-enfants. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Nous allons enlever votre couette pour le faire au plus facile. D'accord. Oh, j'ai peur, madame. N'ayez pas peur, je suis une professionnelle. Quand le bébé fut né. Oh, Léa. Madame, vous savez pourquoi elle pleure? Oui, il doit casser quelque chose pour qu'il respire. Je ne sais plus trop, je ne me souviens plus beaucoup. C'est ça. Bon, alors vous êtes contente de votre bébé? Comment il est? Il a les cheveux noirs? Noirs. Ah bon? Mon mari est brun et je suis brune. Mais vos autres bébés, comment ils sont? Bien, ils sont... Ils ont les cheveux noirs. Ça doit être normal, il doit rester une petite gêne. De son ancienne femme. Oula. Ouh, j'ai peur. N'ayez pas peur. Bon, vous allez sortir de l'hôpital? Oui, avec joie. Ma chérie, c'est mon bébé? Oui, c'est ça, c'est ton bébé. C'est ton bébé, ne t'inquiète pas. Oh, je suis super contente, ma chérie. Oh, on rentre au camping? Oui, je crois qu'on va bientôt rentrer carrément à la maison. Notre nouveau petit-né, on va l'annoncer à tout le monde. Dès qu'ils vont nous voir arriver, ils vont se dire « Oh, un nouveau-né !» Et ils vont tous vouloir l'embrasser. J'en ai marre. Mais non, ma chérie, c'est ton deuxième. N'en ai pas marre tout de suite. Bon, allez, on y va. À l'arrivée au camping... Ah, alors qu'il est sorti. Oui, c'est un petit garçon. Comment on va l'appeler? Johan, ce serait une bonne idée. On ne sait pas encore, peut-être. Mais nous aimons bien Johan. C'est un nom un peu long. Bon, alors Théo, nous verrons à la maison. Oh, c'est un petit bébé, viens voir. Non, on va bientôt partir. Olivia, tu peux rester ici. Oh là là. Bon, comment vous voulez l'appeler? On ne sait pas. Johan, Théo, Tommy. Non, on a déjà un Tommy. Ah oui, désolé, excuse-moi, je suis emmêlée dans les bébés. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, allez, au revoir. Oh, vous l'avez eu? Il est très mignon. Vos enfants vont l'adorer. Oh oui, on est très contents de nos enfants. Très bien. Passez si vous voulez, n'hésitez pas. Nous vous présentons votre nouveau petit frère. Comment il va s'appeler? Je ne sais pas. C'est Lilou. À toi de choisir. Tu as les autres? Parce que Tom, tu as déjà choisi pour Thomas. Et non, je veux dire, oui, Tom, tu as déjà choisi pour Thomas. Et Tommy, tu as déjà choisi pour Léa. Alors, autour de Lily. Eh ben, moi, j'aimerais bien Théo. Donc, moi, j'aimerais qu'il s'appelle Théo. Ok, bienvenue dans la famille Théo. Maintenant, il faut savoir où on va aller. Ça te dit où est-ce que tu es? Merci beaucoup.